Eh bien, salut à tous. Ouais, classe. On va même avoir un troisième. Avec moi, c'est bon, on peut attaquer une coinche. Ouh la vache. Ah ouais, t'es sur des sujets compliqués aujourd'hui, Goose. Hein. Bon, bah c'est mon retour de vacances. J'ai commencé la semaine dernière, mais je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de redémarrer tout de suite, le temps que vous soyez aussi en vacances. Avant toute chose, je fais tout de suite un gros bisou à Patrice et ses galères d'inondation de la confiserie. J'espère que tout va bien. Et puis ma foi, ben, on va se faire une petite émission entre nous, tranquillou. J'espère pouvoir continuer avec cette rentrée régulièrement, et puis surtout avec des choses quand même un minimum intéressantes. On verra bien si vous êtes présents, c'est que ça fonctionne. Toujours le même principe, vous savez où me trouver ici sur Twitch. Vous pouvez vous abonner si vous voulez être mis au courant chaque fois que je lance un live. Je vais faire des efforts pour en lancer aussi pour plus des séances, on va dire, de code ou je sais pas, de bricolage ou j'arrête le ventilo, c'est pas mal aussi. Et puis, oui, ne t'inquiète pas, Kangduino, on n'est pas nombreux et vous êtes déjà tous sur le Discord. Je vais mettre le lien tout de suite. Et puis derrière, je continuerai de publier sur la chaîne YouTube que je vais essayer de relancer un petit peu avec, avec quelques ateliers liés à ce que j'ai attaqué en article, dont on va parler, je pense, juste après. Alors, comme ça a été demandé et que j'avais préparé de toute façon, j'ai ma petite fiche. Hop, si ça vous intéresse, si vous voulez venir discuter code électronique, bricolage, maker, bref, toutes les petites choses qui nous passionnent et qu'on aime partager. On a un Discord sur lequel vous êtes les bienvenus. Faites juste un petit coucou quand vous arrivez si je ne vous ai pas vu passer pour vous permettre de rejoindre. Dites-nous d'où vous arrivez, ça me permettra de savoir qu'on n'est pas, en train de se faire inonder par des bots. C'est arrivé qu'une fois, donc tout va bien. Donc on y va, sans plus attendre. Je voulais commencer avec... Tac, je vais le mettre là. Hop, non, ça vous l'avez déjà vu. Ouais, je suis un peu perdu, il faut que je me réchauffe. Voilà. Cadrage de l'espace, mais... je voulais vous partager les... Alors là, c'est sur... L'article s'intitule Introducing the Pine Note, mais c'est le blog du mois d'août de Pine64. Donc il y a effectivement dans les news l'arrivée d'une tablette, d'une liseuse, puisque c'est une tablette qui va fonctionner avec un écran e-ink. Et je trouve ça intéressant que Pine64 soit un peu sur tous les terrains petit à petit. C'est pas mal de proposer des choses très ouvertes, utilisant des technos open source. Donc voilà, c'était leur news principale, c'était cette tablette qui va être une 10 pouces avec un stylo, une cover magnétique et un prix a priori de lancement super raisonnable puisqu'elle sera en dessous des books, elle sera à 400$. On verra quand ça sortira exactement, puisqu'il faut... je pense qu'il faut aussi laisser le temps à la partie logicielle de stabiliser un petit peu ce qu'ils auront à l'intérieur. Le PinePhone a quand même mis un petit peu moins de 2 ans, je crois, 18 ou 20 mois pour commencer à être vraiment ce qu'on peut appeler vraiment utilisable. Donc il faut toujours laisser un peu de temps, mais je trouve bien qu'il soit aussi sur ce segment-là. Donc je sais qu'il y a pas mal d'entre vous comme moi hein, qui sommes passés par des books... pour avoir un reader de grand format, pour prendre des notes et tout ça, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner fait par une boîte comme Pine64. Voilà. L'autre point, moi, que j'attends beaucoup, c'est... j'ai suivi ça un petit peu tout l'été, il y a eu différents prototypes qui ont été montrés tout au long de l'été, et là, ça y est, c'est prévu pour le mois de septembre. Le PinePhone va pouvoir être accompagné d'un autre accessoire intéressant, à savoir ce joli clavier. Et moi, ce format avec un clavier, ok, comme d'habitude, j'en ai pas besoin, mais je pense que je craquerai assez vite parce que c'est vraiment un format qui me rappelle plein de trucs, mais avec une partie logicielle tout à fait à jour. Je vais, d'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre le lien vers tout ce que je suis en train de vous montrer pour que vous puissiez suivre les petites présentations, les vidéos et autres. Coucou Alex. Ah ça, le format Clamshell, il n'y a pas tant de modèles disponibles aujourd'hui. On va avoir chez GPD, il y a quelques modèles, il y a 2-3 trucs comme ça, mais aussi intéressants et ouverts dans leur approche avec du Linux dessous, je pense qu'il n'y en a pas tellement. Je dis à part GPD, il n'y en a pas des masses dans ce format Clamshell. Et ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne. Ah, Nokia Communicator, ouais. J'en ai jamais eu, j'en ai vu, mais j'en ai jamais eu. C'était quand même un peu comme là, hein, ça fait un peu massif à l'arrivée. Donc de là à être 100% sur un téléphone comme ça, c'est plus compliqué. Mais là, comme petite bécane d'appoint à droite à gauche quand on se balade, je trouve que jongler avec l'iPad et un Raspberry, c'est sympa. Mais peut-être que ça aussi, ça peut être une solution intéressante. En tout cas, on verra. J'ai des projets perso dans la maison, donc en termes de budget, on verra ce qui restera. Mais c'est pas impossible que dans les mois qui viennent, je me penche tellement sur le sujet que je tombe à l'intérieur. Ils rappellent aussi, ça va être la commercialisation, mais ça fait déjà un moment qu'ils en parlaient en prototype, d'autres covers qui permettent d'avoir un chargement sans fil. Et ils proposent aussi un boîtier au dos qui permettra de faire ses propres extensions. On a pris liste les dernières améliorations logicielles, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ce qu'ils ont rajouté. Il y a une mise à jour aussi côté Pinebook Pro, enfin bref, là je suis moins dedans parce que je les ai pas. La Pine Time, je suis une catastrophe, j'ai rien, enfin j'ai pas fait grand chose avec pour l'instant. Mais pareil, de la news. Ah oui, et puis aussi, non mais là c'est pas, si voilà, le module... le module LoRa qu'ils ont prévu aussi, en sachant qu'ils ont toute une gamme maintenant avec 2-3 produits LoRa, donc je n'ai aucune idée de si ça tourne bien ou pas, mais en tout cas j'en entends parler assez souvent. Donc voilà. Et puis ben dans la lignée de mes vacances, je vous en avais parlé. T'as des mains massives et des poches petites. Je crois que je vois très bien le problème que tu as, Alex. Ouais, je vous disais avant les vacances que j'avais mis un peu le nez dans le langage Rust. J'ai emmené de quoi, comme j'avais fait l'année dernière pendant mes vacances avec l'iPad, de quoi coder un petit peu. L'année dernière, j'avais fait avec Go. Cette année, j'ai regardé un peu tout ce qui était autour de Rust. J'ai fait des choses très intéressantes avec, mais... c'est un super langage, super environnement, il y a plein de choses, notamment le compilo est hallucinant, je trouve que c'est génial. La qualité et la précision des conseils qu'il donne quand il détecte un problème est vraiment quelque chose que d'autres langages devraient reprendre. Voilà, et donc en plein live, j'ai le téléphone qui décide, alors qu'il est raccordé en USB, de couper l'image. Yahoo! Donc on va faire une petite cascade. Avant de vous présenter l'article, un petit instant. Hop, on va pas changer les bonnes habitudes des méthodes à l'arrache. Hop, je récupère la webcam. En essayant de ne pas tout faire tomber dans mon bordel. Et tout de suite après, je vous parlerai de cet article, donc vous pouvez déjà deviner le lien, mais je vais vous le donner. Non, non, le ventilo rose, il va bien, mais là, je sais pas s'il y en a qui savent comment... ce qui peut se passer avec ce Sony. Il y a quelque chose autour du port USB qui sert à la fois à recharger et à transmettre le flux, et pour une raison que j'ignore, ça ne charge pas de manière systématique, et je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi. Hop, ça aurait été dommage de ne pas avoir une petite cascade pendant l'émission. Alors le souci, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir débrancher. Ça je peux pas. Eh ben, ça va être compliqué. On va y arriver. Hop. Alors, voyons voir si vous récupérez ma vilaine tête. Coucou, Hopi. Voilà, c'est pas la même qualité d'image, c'est pas le même truc, c'est pas zoomé comme il faut, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Et puis ouais, donc comme je vous disais, voilà, c'est super sympa d'avoir ce genre de support sur mon pied, ça me permet de switcher de la webcam à ça quand elle n'est pas cachée au fond de mon bordel non rangé tout l'été, bien sûr. Ouais, je sais pas ce qu'il a le ZV1, le port USB. Il y a quelques petits soucis sur la charge. Peu importe, on a toujours une solution chez l'ami Ricoré. Ce que vous entendez derrière, c'est la mascotte qui visiblement a décidé que c'était le bon moment aussi pour descendre faire je sais pas quoi. Hop, je vous partage le lien vers l'article. Donc je relance mon petit blog que j'aime beaucoup, hébergé chez DigitalOcean, que j'adore, et c'est Ghost, c'est un gestionnaire de blog statique que j'aime beaucoup, j'aime bien la façon dont ça fonctionne. Donc là, je me suis lancé dans une petite série avec TinyGo, que j'avais expérimenté, je vous en avais parlé, et quand je me suis dit que c'était moins marrant que ce que je pensais de faire du Rust pendant l'été, comme je m'étais amusé l'été d'avant avec Go, je me suis dit je vais peut-être pas refaire du Go. Je me dis où en est TinyGo, et c'est en faisant comme ça que j'ai découvert que ça avait beaucoup progressé, et notamment le support de certaines plateformes que j'attendais, qui étaient en bêta et tout ça. Salut Opi. Ah bah si, y a ton Titi qui regarde. Ah non, excusez-moi, production de Moa, vous n'êtes pas mon fils, c'est parce que tu t'es gouré de compte. Salut Laurent. Donc voilà, parmi les plateformes que je guettais, il y avait le support de la PyGamer de Adafruit. Et ils sont arrivés a priori à quelque chose d'intéressant en termes de plateforme et en termes de driver. C'est ce que j'explique un petit peu dans l'article. Je remercie Aurélie au passage, parce que si j'ai replongé dans du Go, c'est parce qu'elle a refait toute une série d'articles et qu'à un moment donné, on a échangé beaucoup autour de TinyGo. Elle a fait pas mal de choses, notamment un essai avec la Game Boy Advance. Donc j'en ferai sûrement aussi, soit en article, soit je vous montrerai dans une émission. On peut enfin commencer à coder, même si côté driver, il y a encore du boulot. Toujours est-il que voilà, j'ai replongé dans TinyGo et j'ai trouvé que pour la PyGamer, le support commençait à être vraiment intéressant. Et ce que par contre j'ai déploré, mais qui était vrai par ailleurs, c'est le fait que TinyGo, ben, ça doit être une équipe de 1 ou 2 personnes, plus quelques contributeurs, mais c'est pas énorme. Et il y a vraiment des soucis de documentation, dans le sens où il y a une doc générée, si je dis pas de bêtises, à partir de certaines informations qui sont issues du code. Donc on a une doc, je peux peut-être vous la montrer. Hop, si je fais comme ça, voilà. Donc il y a le Getting Started, l'installation, c'est super bien, pas de souci. C'est dans référence. Par contre, honnêtement, je prends de la Adafruit Clou parce que j'ai joué aussi avec. On a vraiment le minimum de savoir la définition des constantes et du support éventuel, voilà, par 2 pages. La ligne de commande, mais bon, à part changer le paramètre -target, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques informations spécifiques sur certaines cartes parce qu'elles nécessitaient ça, mais il n'y a pas grand chose. Et surtout, en termes d'exemple, eh ben, on est un petit peu à poil. Et l'idée, ben, j'ai attaqué, vous verrez, je mets un lien vers un repository où j'ai partagé tous mes exemples, parce que là j'ai fait un premier article, mais j'en ai déjà 4 de près, donc vous pouvez regarder les autres exemples pendant que vous y êtes. Et l'idée, c'est donc quand il y aura suffisamment de choses, Aurélie a accepté de mettre aussi la partie Game Boy, je l'enrichirai aussi, c'est de le partager avec les équipes de TinyGo et voir si on peut leur donner un coup de main avec, on va dire, le côté TinyGo Cookbook, avec des exemples tout près pour des choses simples. C'est-à-dire que je vais moi je vais coder des choses, des applications un peu plus complètes, mais quand on démarre, on a besoin, le classique Hello World, faire clignoter une LED, ensuite on a besoin d'allumer l'écran et manipuler les couleurs, après j'ai fait la gestion des touches, la gestion de l'affichage de texte avec les fontes, enfin, souvent on a besoin de choses qui ne soient pas noyées dans une application, et donc l'idée c'est de fournir des exemples assez courts et assez compréhensibles. Alors, question, alors oui, pas question, oui Goose, effectivement c'est rigolo ce qu'elle a codé Aurélie sur la Game Boy. Comme ah oui d'ailleurs c'est de ta faute si j'ai pas préparé l'émission, j'avais juste besoin d'un prétexte et écouter de la musique c'était parfait. Son code est intéressant, ça fait un jeu qui est sympa et surtout on peut aller avec, tiens je l'ai reçu aussi, avec un linker on peut aller juste sur le matériel, t'en fais pas Goose, t'en fais pas, tout va bien. Je le montrerai une autre fois parce que comme ça on reviendra sur la partie GBA. Je pense que je vais en faire une série là sur TinyGo, c'est intéressant. Et donc la question d'Alex, TinyGo c'est comme Micro Python, Circuit Python, j'ai envie de dire c'est comme Rust LC, c'est un langage et tu codes pour du matos. Pour être plus concret ici, j'en parle dans l'article, je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs, on lance une commande qui va quand même compiler TinyGo à destination du matériel embarqué que tu souhaites adresser. Donc il y a vraiment de la compile, donc je pense qu'en termes de perf on doit être quand même globalement meilleur. Pour l'instant ils sont surtout pénalisés par certains drivers qui sont quand même codés, pas mal codés, juste codés pour que ça fonctionne. Notamment le support par exemple de la GBA, on peut écrire sur l'écran, on peut faire plein de choses, mais il n'y a pas de sprite, le refresh on n'a pas de contrôle, enfin c'est pas très optimal du tout même. Donc on peut avoir certains cas. Ici, pour la PyGamer, le support est plutôt bon, du ST7735. Ah bah tiens, un bot, casse-toi, vilain. Ouais, voilà, become famous. Mais je suis déjà famous, il y a au moins 4 personnes qui me regardent là. Oh non, vous êtes 8, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle fréquentation folle. Merci à la communauté Moa, au passage. Donc c'est plus, voilà, c'est très proche, c'est pas très proche, c'est... tu utilises toutes les mécaniques du langage Go, donc si Go ne te plaît pas, ça va pas coller. Par contre, tu as une compilation, donc je pense que tu peux arriver à un résultat plus performant et plus près du matériel, à voir. Pour l'instant, c'est de la découverte, c'est des exemples, on verra jusqu'où ça va en termes de perf, je sais pas trop. Mais voilà, c'est comme toujours, que ce soit dans les loisirs ou dans le boulot, j'aime bien... utiliser des langages variés parce que ça permet de renouveler un petit peu la façon d'aborder les problèmes. Oui, après, sur la GBA, il y a sûrement un certain nombre de choses assez spécifiques. Je ne crois pas que ce soit un chip spécifique, mais c'est un mode de contrôle de la partie graphique. Enfin bref, c'est un peu comme ambiance sur les NES et autres. À voir. On verra. On creusera, je ne sais pas si Aurélie ira loin avec ça, j'aimerais bien, parce que c'est intéressant ce qu'elle a fait. Et on verra ce que ça donne. Là, j'ai pris la PyGamer parce que c'était une plateforme que je sais qu'on peut coder sur la plateforme Arduino facilement, avec du circuit Python facilement. Et là, je me disais, TinyGo, effectivement, il est aussi simple d'approche. Je vais quand même vous montrer la tête que ça peut avoir. Donc c'est du Go, hein, avec les déclarations de package, avec la mécanique d'import de Go. Et puis voilà, on déclare une petite fonction. Là c'est l'exemple Hello World où on fait clignoter une LED. Le module machine, c'est le module qui est un peu spécifique à chaque plateforme. C'est celui où il va falloir que j'apprenne à savoir comment il est conçu. Pour pouvoir faire un peu du spécifique à la PyGamer, j'ai repéré 2-3 choses qui sont présentes par exemple sur une autre plateforme très proche chez Adafruit qui est le PyBadge, qui était le prédécesseur de la PyGamer. Et il y a des choses en termes d'API qui existent pour le PyBadge, mais qui n'existent pas sur la PyGamer alors que ça devrait fonctionner de la même façon. Donc j'essaierai de voir comment je peux contribuer au code aussi. Toujours est-il que dans ce module, voilà, par exemple, quand on déclare une variable LED et qu'on demande au module machine de filer... l'objet LED, en fait, on a une... Ça correspond en fait à la LED embarquée sur la console. Je vais essayer de vous filmer ça dans la foulée. On fera ça après avec la démo de code, enfin l'exécution. Et donc là, on se retrouve avec une broche qu'on va configurer et puis on va la faire basculer dans une boucle for entre un état low et un état high qui va permettre de faire tout bêtement clignoter cette petite LED. Je l'indique dans l'article, mais ça, de toute façon, c'est aussi présent dans la documentation. On va utiliser TinyGo peut alors utiliser la commande build quand on veut générer un binaire pour le mettre à disposition. Ce sera sûrement de prochains exemples, parce qu'il y a une partie qui permet de générer du WASM. Et moi, ça me dit bien d'aller jeter un œil, mais Philippe bosse là-dessus en ce moment. Donc TinyGo a plusieurs commandes, mais celle qui nous intéresse ici, c'est la commande flash, qui va chercher directement à s'adresser au microcontrôleur et à prendre la main. En l'occurrence, je ne sais pas si je peux vous filmer les deux en même temps, on va essayer. Ça fait basculer la PyGamer par l'état où elle est flashable en fait, de manière automatique. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours l'astuce, je le dis c'est dans la doc et je le dis dans l'article. Le double reset permet de basculer dans cet état-là aussi. Et là, je me rends compte que nous avons ce bon vieux retour de j'ai chaud, monsieur le Mac. Et donc, sans le rose, vous devez avoir déjà une image super décalée. Je vais remettre un petit coup de ventilo en espérant que ça rattrape la bête. On verra ce que ça donne. Je vous montre cet exemple vite fait, on va voir. Ah oui, je voulais... Calé. Si je vous fais ça, hop, est-ce que ça va fonctionner? Hop, non, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Si, ouais, enfin, il me met. Je vais passer par Epoch Cam directement, je pense que ça doit passer. Ouais, il en veut pas. Il en veut pas. Là. Toujours pas. Pousse encore, pousse encore. On va y arriver. Je vous le dis, moi. Voilà, tant pis, je partage mon écran. C'est pour vous montrer au moment où je vais flasher qu'on bascule. Oups, pardon. Si je mets pas en route, ça va pas bien fonctionner. Hop. Hop, qu'ils la reconnaissent. C'était moi, j'étais pas prêt. Voilà, donc ça c'est le cas que je décris dans la doc. Si vous flashez et qu'il ne le voit pas, si, voilà. Donc vous voyez, ça c'est l'écran où le bootloader permet de flasher. C'est de l'UF2 derrière et ça permet de flasher son programme. Et paf le titi. Et ouais, faut vraiment que je revoie mon setup pour faire une rentrée sérieuse. Là, c'est pour vous faire plaisir pendant la fin des vacances. Mais... Et donc, le programme, ce bon vieux Hello World du monde de l'électronique. Donc, vous voyez, alors la LED qui est orange, c'est la LED de chargement de la batterie. La batterie là. Et la LED rouge qui clignote, voilà. C'est ce bon vieux Hello World du monde électronique. Voilà, appréciez au passage le boxon qui est sous mon écran. C'est pas du tout la honte, tout va bien. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit retour sur TinyGo. Je pense, mais c'est pas je pense, c'est même certain. Alors le problème c'est que si je bascule là, comme j'ai perdu la caméra, il faut que je rebascule toutes mes vues. Ça va être un beau bazar. Oui, d'ici la fin de l'année, de toute façon, il faut que j'étudie le retour à OBS et Cam Live qui coûte quand même cher pour l'usage que j'en ai, même si j'adore plein de fonctionnalités. C'est ce qu'il faut. T'inquiète, Goose, le boxon, là, c'est qu'un bout du boxon. Si je vous montrais le reste, l'état de mon bureau. Je suis censé avoir un espace pour faire mes projets, c'est n'importe quoi. Bref. On connaît tous plus ou moins ça, mais moi j'ai mis la barre haute en termes de boxon. Oui, donc je vais continuer les articles sur TinyGo parce que d'abord ça m'a plu. Ensuite, il se trouve que j'ai déjà rédigé 4 exemples de code. Vous les retrouverez dans l'article. Je mets un lien sur le repository. Je le, Je le pousse pas trop pour l'instant, ça sert à rien que les gens aillent voir la suite avant d'avoir, enfin, de le faire dans l'ordre. Mais bon, si vous êtes curieux, c'est disponible. Vous pouvez aller regarder les autres exemples. Il y a un exemple de gestion des boutons, de gestion des fontes pour afficher un texte et je sais plus le dernier, peu importe. Donc oui, oui, ça m'amuse beaucoup. Et je vous dis, le but, c'est de couvrir le maximum de choses avec la PyGamer. T'inquiète Laurent, on est tous un peu bordéliques, mais c'est pas du bordel. C'est une forme de rangement spécifique à chacun d'entre nous. Ouais, pour TinyGo, je pense que je mettrai aussi, parce que j'en avais fait avec les cartes microbit. Dans la doc, ils disent juste microbit, mais j'ai vérifié, en termes de code en tout cas, ils ont pour la gestion de la V2. Ouais, il y a à nouveau un petit délai de lip sync, peut-être pas énorme, mais il y en a encore un peu. Donc je referai des exemples avec, avec la carte microbit, et puis j'ai aussi joué avec... j'ai perdu... Si, j'ai fait avec une Adafruit, avec une Feather M4. Donc je pense que ça rame encore, c'est ça ce que tu me dis? Ça n'a pas l'air de ramer, je pense que ça rame plus chez toi que... Non, il y a un décalage audio. Bon, allez, on va pas vous faire souffrir beaucoup plus longtemps. Donc oui, je ferai des essais avec plein de matos. Vous aurez aussi droit très prochainement... C'est dommage que j'ai plus ma... Ouais, l'image est moins bonne. J'ai reçu la Shield Arcade pour la microbit. Donc on va pouvoir s'amuser avec Arcade Make Code avec une microbit. Ça fonctionne, ça je l'ai testé, c'est pas encore tout dans le officiel, notamment savoir comment accéder au mode qui permet d'exporter pour la bonne solution. Mais en tout cas, voilà, il y aura ça aussi. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Je vous montre rapidement, mais ça fera l'objet d'autres émissions. Le module Coid, qui est un bot aussi, qui permet de faire de la reconnaissance visuelle, et un module caméra assez sympa à piloter. Il y a des choses qui vont tourner autour du keyboard écran Featherwing. Et il y aura forcément du LoRa dès que j'aurai pris le temps. Et tu fais bien d'en parler, puisque j'ai également reçu ma Morphe SP 240. Comme ça, ça le fera. Tu vas refaire la manette 3D pour Morphe SP. On pourra aussi faire du jeu en circuit Python. Oui, c'est une bonne idée. Surtout que bah, ça sera l'occasion de refaire un petit tour des petites cartes que je vous avais déjà montrées et du framework. Je cherche son nom désespérément en même temps. Tant pis. Tant pis. Bref, il y a un framework pour faire des petits jeux avec la gestion de sprites et tout qu'on pourra essayer sur le Morphe SP qui a un peu plus de patates que les autres cartes. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà, je ne vous demande pas si vous avez des questions parce que l'image et le son étant complètement décalés, je le rattraperai au montage, mais là en live ça doit pas être très agréable. Je suis ravi d'avoir recommencé les lives. Je tâcherai d'en faire un peu plus souvent, de fixer mon setup. Alors, la partie MacBook, on fera ce qu'on pourra. Je pense que je finirai par jongler avec le PC qui reste dessous pour faire de toute façon un retour à OBS. Et puis je ferai juste l'acquisition du Mac et ça ira pas mal. J'ai comme toujours plein de trucs en cours, j'ai laissé tomber plein de trucs que j'avais attaqué avant les vacances, mais voilà, les journées étant ce qu'elles sont, on fera ce qu'on peut. En ce moment je fais du TinyGo jusqu'à preuve du contraire, ça m'amuse. On verra comment j'arrive à glisser et ben, tous les autres projets que je viens de vous évoquer. Voilà, je vais essayer de maintenir le calme du lundi. On verra dans les semaines et mois qui viennent si c'est toujours possible ou si ça bascule un soir, si je peux vraiment pas les midis. Pour l'instant, c'est encore possible, donc tant que ça fonctionne, on va continuer. Quoi qu'il en soit, moi aussi, Alex, je suis content de vous retrouver. Je vous remercie d'avoir été quand même relativement... Si, c'est pas mal, 9 personnes. Comme diraient certaines chaînes, on serait bien content d'en avoir autant. Voilà, je vous souhaite à très bientôt. Je ne pense pas refaire un live cette semaine, mais en tout cas pas sous forme d'un calme organisé, mais peut-être des petits trucs comme ça ponctuels. J'ai rattaqué d'autres jeux, je vous montrerai peut-être des petits trucs de jeu un peu, tiens, pour changer un peu. Ou, ouais, si, j'ai plein de choses que je vous montrerai dans les calmes, mais qui nécessiteront des phases où... Je pourrais mettre juste une caméra, pas forcément en parlant beaucoup, mais en chattant un peu. J'ai des choses à assembler qui seraient peut-être sympas de vous montrer. En attendant, bah, je vous souhaite une excellente journée. Je m'en vais recharger mes batteries et mon estomac. Et je vous dis à très bientôt et merci à tous. Ciao, ciao.